Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série sur Rome de Total War avec cette campagne que j'espère terminer au plus vite. Hein. Il nous faut 50 unités en plus et c'est quoi d'autre aussi à recruter à... Non, c'est pas ici. Et 4 territoires à prendre. Hein. On va d'abord se fixer sur les légions et après on ira sur les territoires. Comme ça au moins ce sera simple. J'ai un peu d'argent. Ouais, on va faire ça. Autant se faire le temple. Parfait. Oui, aussi un petit truc. Est-ce que je peux faire du commerce avec des gens? Ils acceptent le commerce ou pas? Ouais, aucune chance. Je pense pas. Ouais. Ils veulent pas. Je regarde quand même, même ceux qui refusent, hein, on sait jamais. Ouais, ça veut pas. Les oreilles de mon peuple sont ça veut pas non plus. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage. Et eux. Allez, on y va. Ah, ils ont rejeté. Mais c'était modéré. C'était modéré. Bon, tant pis. On va donc tout de suite passer le tour. Allons-y. Je veux mes légions. Ainsi, ce sera fini. Ce sera fini, cette campagne. Cette campagne sera enfin terminée, enfin achevée. C'est qui veut la paix? Et si vous l'acceptez, la douce pluie de la paix pourrait être votre. Ouais, mais non. Je pourrais bien prendre mes héros et enfin, faire des trucs. Quoique, attends. Si je te donne le statut d'état client. Ah, sympa. Donc maintenant, c'est mon larbin. Sinon, je lui pétais sa gueule. Oui, c'est depuis hier, j'ai réfléchi un peu. C'est peut-être une éventualité faire des états clients. Comme ça, je gagne des territoires. Avec c'est sous le contrôle de mes états clients. Mais en même temps, j'ai pas tout ce bordel de d'ordre public. Aïe. Un secret sanglant, ouais, bof. Alors toi. Ouais, t'as pas un truc qui fait du bonheur? Non. On va améliorer. Ça, voilà. 79%, 73%, ouais, bah tu vas là. Je disais quoi? Oui, je voulais regarder ça. 76? Ah merde, faut vraiment que je les détienne, quoi. Ah, ça compte pas! Ah, ça, c'est vache. Bah, moi, je suis pas en guerre contre... Ouais, il y avait une bonne armée, ici. Enfin, une bonne armée, vite dit, quoi. Faudrait que j'aille attaquer mes roues, quoi. Allez, on y va. Voilà, prendre cette ville. Oh, mais y'a personne. Allons-y. 98%. Allez, tombe. Voilà, c'est bon. Parfait. La nation n'existe plus. Voilà, toute cette partie est pacifiée. Et l'autre, c'est mon état client. Si, si, pas mignon tout ça. Toi. Alors, toi, je te casse la tronche ici. Tu me les démembres bien, s'il te plaît. La flotte existe encore. Ça, c'est la pousse. La flotte risque encore de me faire chier. Putain, s'ils prennent ça, je leur pète la gueule. Ah. Les gars peuvent pas bouger. Bon, je vais avoir une rébellion imminente en Judée là. On va ramener ça. Parfait. Bon, maintenant j'ai du fric. J'ai beaucoup de fric. Alors soit je recrute, soit je fais en sorte que la population m'aime bien ici. Ici on va détruire. Ici aussi on va détruire. Ici, 15 ans de public on va garder quand même. Toi, ouais. D'ordre public. Ordre public. Passé.
Bon, avec le reste, on va se faire du, on va se faire des unités. J'en suis où? 45 encore. Recruter des unités. Ici, il faut qu'on se recrute la Légion. Si je me trompais pas de bouton, ça serait... Hé hey! J'ai cliqué sur le bon bouton cette fois-ci. Non, là, il y en a trop. Voilà. Ok, je serai donc plus qu'à 40 unités à recruter au prochain tour. Ici, on va moderniser tout ça. Parfait, il restera plus que cette unité-là. Bien. Certes, j'aurais pu recruter deux autres unités, mais... Autant avoir une armée jolie, une armée classe entre les deux. Regardez quand même la différence d'armure. C'est juste énorme. Je suis à combien de territoire maintenant? 78, il en manque deux. Les deux derniers, je sais pas où je les prendrai. On verra bien. On va voir si je peux faire un peu de commerce. Du commerce, ça vous tente? Avant que vous ne parliez. C'est bien. Cela n'a pas beaucoup d'intérêt pour mon peuple. Toi, on peut mais pas... je vais cesser de marchander. Non, ok. Eux, je suis en guerre. Je peux pas faire la paix avec toi. N'entrez pas en errant comme... Là, parfait. Mon appétit pour faire accord commercial. J'ai pas envie de faire la guerre contre eux. Ça me saoulerait. Je compte faire des guerres autre part, le temps, et gagner beaucoup de fric pour que je recrute mes unités. Oui. Les oreilles de mon peuple sont grands. Ouais, je doute toujours. Les Isen, je doute encore. N'essayez pas d'adoucir la veine. Ouais. Galassie, Frison. Ouais, le reste, ils vont refuser. N'essayez pas d'adoucir la vérité avec du... Ils vont refuser, ce n'est pas grave. Au moins, je vais me faire des couilles en or, comme on dit. Parfait. Très très bien, très très bien, très très bien. Je regarde un peu... Ici, à la Légion, là. Une unité. toi, tu vas... Ça, on te recrute pas. Avec 500, avec 800, est-ce que j'ai de quoi faire un bâtiment? Oui, j'ai de quoi. Ouais, on va faire ça. Sinon, j'allais me taper un... Les trucs insalubres, les... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Les bas quartiers. Voilà, c'est ça, les bas quartiers. Passez le tour. Passez le tour, passez le tour, passez le tour. Ça va bien. Bon, plus que deux territoires à prendre et 40 unités à recruter à peu près. Quoique avec ma légion normande, je crois qu'elle recrute encore. Donc ça me ferait encore des unités recrutées. C'est à voir ça, c'est à voir. J'ai envie de voir ça. Est-ce qu'ils vont ces cons? Mios Hormos? Qu'est-ce qu'ils ont comme défense à Mios Hormos? Je ne sais plus. Bon, les Muris. Les habitants de Rome, antiques, se soucient-ils réellement des esprits? Ah oui, avec le truc avec les haricots du papa qui se balade. Ah ouais, ouais. Oui, on l'avait pas eu ça il y a quelques. Avant? Axum, les guerriers. Oh, mais ça, c'est Melarba maintenant. Ici, il me déteste. Hein. Mais il me déteste grave, quoi. Non. Truc là, et ça, attends. Moi. Bien. Ici, ça se fait. Bon, maintenant... Oh putain, le fric. Il vient d'où, ce fric? Il vient d'où, ce fric? Où vient ce pognon? S'il vous plaît. Pas toi que je veux, c'est toi. Déjà, toi, je te modernise. Hein. Encore deux, pour que ça soit cool. Bon, ce qui sera encore plus cool, c'est d'avoir des balistes. Hein, mais bon, on peut pas tout avoir, évidemment. Hein? Ouais, ça va. Ça va pour cette légion qui est maintenant entièrement opérationnelle. Cette légion est également opérationnelle à 100%. On la bouge vers Trèves. Ce sera pas mal. Toi. Oula, toi t'es nul.
Ouais, si c'est viré, bon. Pour le moment, on va recruter des unités et après on les virera. Les unités incompétentes. Voilà. On va attendre un peu. Donc maintenant, j'en suis à combien d'unités? 200. Plus que 40. Avec ce que je vais recruter, ça va monter vite. J'en suis là. Imperium. Expansion moins 100 à la diplomatie avec toutes les factions. 48% de récurrence incidence politique. Moins plus 30% de corruption. C'est énorme, c'est énorme. Ouais, ouais, je comprends en fait. Je comprends des choses. Ouais, faudrait que je recrute avant. Parce que sinon, je vais avoir un problème financier majeur. Si je puis dire. Avec les 2000. Assez. Ah, ici, j'ai. Là, c'était limite, mais c'est assez. Parfait. On peut pas voir des petits détails pour savoir qu'est-ce qu'ils nous aiment pas du tout. L'instabilité provinciale, les taxes et la différence culturelle. Youhou, c'est génial. Ouais, non, il va rester là, le gars. Tu restes là. Et on passe le tour. Donc il faudrait que je prévoie de prendre les deux villes qui me restent en un seul tour et d'avoir en même temps assez d'unis, d'avoir tous les trucs des armées recrutées pour finir cette campagne. Est-ce que c'est possible de faire ça dans cet épisode? Car je voudrais bien arrêter l'épisode 25 comme ça, la semaine d'après, bam, on recommence avec une nouvelle série entièrement neuve. Je sais pas du tout avec quoi je vais encore jouer. Hein. J'y réfléchis, hein. J'ai quelques idées, après faut que ça se mette en place. Faut que je valide mes idées, que je choisisse et tout. Un truc politique. Ok. Donc, on peut voir là, 211. Allez. On s'approche, plus que 29. Plus que 29. Les armées, ça compte pour monter l'Imperium? Non, on dirait pas. Donc, je disais, toi ici. Toi. On recrute des unités. Voilà, 6. Parfait. Toi, c'est bon, oui. Toi, là-bas. Ici. Je recrute les deux dernières unités qui te restent. Attends, la carte. La carte. Alors, cette légion ici va ici, celle-là c'est bon, celle-là je suis en train de m'en occuper. Celle-là, il y a celle-là que je pourrais faire. Ici mes légions sont complètes. Ah oui, il y a celle-là. Il y a ces deux-là ici qui sont nuls. Qui sont très très nuls avec celle-là aussi. Ouais, bah je vais m'occuper des légions au Maroc. Ces légions de pignoufles. Allez hop, on s'en occupe. Et comme je suis gentil, je t'améliore. Recrutement. Battez-vous avec nous. Ok, après je n'ai plus de fric. Faudrait que j'améliore ce bâtiment hein, aussi. Hein. Parce que là, si je peux pas faire de cavalerie dans cette légion, ça le fait pas du tout. Allez, avec le reste, je sais que ça me coûte que 300, je vais être gentil. Allez hop, toi, je t'améliore. Bien. Allons-y. Finissons-en avec ces armées à recruter. Ah, le gars est arrivé à Trèves. Parfait. La frontière du Rhin est admirablement bien protégée. Il n'y a rien à dire à ce sujet. J'ai des légions dans toutes les villes qui se trouvent à cette frontière. Les Germains ne passeront pas. Seul moi pourrai passer le Rhin. C'est comme César qui avait construit un pont au-dessus du Rhin, en 3 semaines je crois. Ça avait été assez exceptionnel d'ailleurs ça, de construire un pont au-dessus du Rhin, le Rhin qui était réputé pour être un fleuve où justement on pouvait pas faire de pont étant donné qu'il était trop large avec un trop fort courant. Ça fait quoi ça?
moins 50% de pénalité. Oh, ça c'est cool. Plus 4 d'influence, ouais, moins 50% de république. Soumission, ouais, bof. Les discours et l'échange font réaliser que vous n'êtes pas si différent après tout. Plus 4 d'influence culturelle de la faction mère, diffuse la culture de la faction vers les provinces avoisinantes. Plus 2 d'influence de toutes les provinces. Corps des autres engins, fait que tout le monde profite de votre cohabitation culturelle. On va faire ça là. Non, ici je vais me taper une révolte quoi. Génial. Je suis content. J'en suis où à ce niveau là? Plus que 17. Plus que 17. Génial. Plus que 17. Recruter des unités. Ouais, je sais qu'on a besoin de bons compagnons. De bons compagnons. Plus que 12. Ici. Nous avons besoin de bons combattants. Ouais, ici, j'ai, de toute façon, j'ai plus de fric. Mais comme je vais devoir les virer, ça me fera un peu de revenus supplémentaires pour ces unités. Je perds 5 unités. Mais je vais tout de suite les récupérer au prochain tour. Donc ça va, c'est... Je garde. Allons-y, faction détruite. Quelle faction détruite? Là, l'Egypte a été défoncée. Youhou. Je regarde contre qui? Les Nabatéens. Ils existent encore, c'est con? Ah ouais, ils sont là. La porte d'entrée. Ouais, c'est ça, ils accepteront jamais. Et je suis en paix contre ces idiots là. Je sais pas quand est-ce que ça va se finir cette guerre. Allons-y. Bon, 4988. J'aurais plus de 5000. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Je vais avoir mes 240 unités. Ça va le faire. L'équivalent de 12 légions full seront recrutées. 12 légions full. Ils ont mis un terme au truc légitime, mais vous êtes complètement débiles, les mecs. C'est si vous faites quelque chose de dangereux, vous êtes mort. C'est pas que je suis en train de recruter une légion à côté de chez vous, mais je suis en train de recruter une légion à côté de chez vous. Rébellion, philosophie, recherche terminée. Négocier, ok. Ok, ces messieurs se sont rebellés, mais ils vont crever, parce que voilà, hein, c'est comme ça que ça marche chez moi. On les bute avant qu'ils soient très très dangereux. Bon bah il s'est pris un bon coup de gladius dans le crâne. En supérieur pour les deux, et la faction a été détruite. Alors, toi, je te prends. Là, j'aurais peut-être dû prendre Légionnaire Invincible. Avec le recul, je me dis ça. Ah, ça, je prends. Vertu, pour le moral. Pour le bonheur. Bon, je vais me taper une autre rébellion le tour d'après, mais... On n'y peut rien, ça. Donc, je disais 225, plus que 15 unités à recruter. Alors, il me faut un truc qui me fasse baisser la corruption. Qui m'augmente le revenu. Plus 5% de richesse grâce à l'industrie. Toutes les régions, ça c'est pas mal. Plus 5% de richesse provenant de l'agriculture, c'est pas mal aussi. Ça aussi c'est pas mal. On va faire devise commune. Et maintenant, recrutons les troupes qu'il faut, s'il vous plaît. Recruter. On va d'abord recruter là-bas. Arrêter à la légion de Minerva. Alors, je disais... Je vais faire un truc qui me débloque les balistes. Deux tours. Ok, ça tient. Je préfère avoir une légion avec des balistes aussi. Tant qu'on y est. Alors recruter des unités.
s'il te plaît. Alors, plus un de cave et deux légionnaires. Ça, j'aurais préféré avoir des trucs d'auxiliaire, mais bon, on n'y peut rien. Les légionnaires sont très bien contre la cave aussi, hein, quand on leur demande pas trop. Recrutons les unités. La vie militaire, c'est la belle vie, oui, je sais. Après, je n'ai plus de fric. Bon, je gagne encore pas mal de fric, ça ira. L'armée, le reste. Ici, dans deux tours, j'aurai de quoi faire les balises. La Legio 2 Minerva sera opérationnelle à 100%. Ce qui fait que j'aurai une légion là, trois légions à ce niveau-là. Putain, ça casse la baraque là. Ici, la Légion. Alors, Légion prête. Puis quasiment prête. Non, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 légions prêtes dans 2 tours. Enfin, 3, étant donné que ça prend 2 tours pour faire le bâtiment. Enfin, vous m'avez compris. Soit t'es bientôt prêt. Après, il y a celui-là et celui-là qui sont pas vraiment opérationnels. Oh, ça gère la fougère quand même. Ça gère la fougère! Contre qui je prendrai les deux derniers territoires restants? Je pense que les mâts commencent, ce sont... Joignez votre puissance à la nôtre dans ce conflit. Je vous le demande pour le bien de mon peuple. Ouais, mais non. Non. C'est non. Je refuse de rejoindre ta guerre pour le moment. Je tiens à avoir du fric et enfin être cool... cool Raoul. Je ne tiens pas à me... Enfin voilà. Vous devriez accepter une offre de commerce. Vos terres profiteraient beaucoup des attentions de nos marchands. Donc toi, tu me payes 3400 pour que je fasse un accord commercial que tu as toi-même rompu. C'est ça, non? Ou alors c'est à cause de la rébellion, je ne sais pas. Ouais, j'accepte! Franchement, tu me payes 3400 et tu me donnes un accord de commerce. Eh, c'est vachement rentable, hein. Pour une fois que c'est pas l'inverse. Que c'est pas toi qui me demande de payer 3400 et ensuite un accord commercial. Triomphe. Ouais, ça faisait longtemps. Rébellion. Mission accomplie. Les vainqueurs écrivent l'histoire. Qui se souviendra de vos ennemis? Subjuguer 15 factions différentes en les réduisant, en les accueillant, en capturant leur dernier collier. Nier. Dans la douleur, maintenez 190 unités au total. Nier. C'est... Pardon. C'est... J'ai même pas ça encore. Par contre, pourquoi mon fric est juste très très beaucoup descendu en fait? Ça, c'est peut-être l'un des trucs qui me perturbe le plus. Je ne gagne rien en gâchant ma journée. Mais bon, franchement, maintenant que je suis milliardaire, franchement, je me plains pas. Hein. Bon, par contre, toi, on va te casser la gueule, s'il te plaît. Là. Boom. Hein, on y va. YOLO. Le gars n'a strictement aucune chance de gagner face à une légion entraînée et compétente. Bon. J'ai pas de technologie à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, la technologie, je m'en fous là pour le moment. Je m'en fous la technologie. Toi par contre, faudrait peut-être que je fasse quelques bâtiments, non? Genre toi je te fais ça et toi je te fais ça là. Toi, on va faire pour le bonheur, là. Le bonheur, il est pas mal. Alors ici, à ce niveau-là, j'ai encore des bâtiments à faire. Bon, il y a lui, mais il est niveau 4 et j'ai passé le niveau. Toi, on peut faire ça. Toi, passer le niveau. Toi, on s'en fout. Le fric. C'est surtout le fric qui m'intéresse. Plus de fric. Donc, on fait ça. Bon, on va faire ça, tiens. Et toi, dans la Légion,
On va recruter. Il me faudrait des balistes. Je n'ai pas de balistes. Donc on va recruter 3 unités de légionnaires. Et comme on virera les 4 unités ici pour remplacer par la cave, quand le bâtiment sera terminé, ce sera parfait. Bon, maintenant j'ai encore beaucoup de fric. J'en suis à combien de légions là? 231, plus que 9. Ici j'en recrute déjà 3, donc plus que 6. J'ai une légion juste ici dans le coin. J'ai celle-là ici. Voilà. Ah bah tiens, on va d'ailleurs te moderniser un peu. S'il te plaît. Recrutons. Alors, cavalerie auxiliaire. Cavalerie auxiliaire. Elle est beaucoup plus compétente. Hein. Bon, il n'y a pas la formation tortue, mais bon, on s'en fout. La santé, il y en a plus. En armure, c'est pareil. En défense en mêlée, ils sont meilleurs. En bonus de charge, ils sont meilleurs. Et en attaque en mêlée, ils sont meilleurs. Ainsi qu'en morale de base. Il est doux, il est beau de mourir pour servir le peuple. Oui, oui, il est beau, il est doux. Gnagni, gnagni. Et 6 unités de plus pour la Légion 13 Rapax. Parfait. Toi, en fait. Voilà. Et on va peut-être moderniser nos unités. Ce serait peut-être temps pour que la Légio 1, la Légio de notre cher ami Lépide, qui certes ne s'est pas battu depuis quelques années, soit un peu en meilleure forme, on va dire. Ouais, on va faire ça là. Et toi, on va faire ça pour leur public. Et toi, on va faire ça parce que voilà, c'est cool. Et maintenant, on va passer le tour. Et on va voir ce que ça donne. Vous êtes... Non ! Pas avant d'avoir vraiment validé les 240 unités dans mes armées. C'est le minimum syndical. Et après, oui, je partirai en guerre contre qui tu veux, je m'en fous. Même si je voudrais d'abord prendre les marcomanses avant, ça c'est pas mal. Alors, vas-y, dis-moi que j'ai fini cette mission. Mission accomplie, 190, ouais, c'était pas difficile ça. Nouvelle mission accomplie, maintien. Youhou. Vers les étoiles. Contrer totalement 28 provinces, soit directement, soit par le biais, total, gnagnagnagna. On s'en fout, donc, je disais, oui, vérifiez ça. 240. Oh, ça c'est cool. 240. Allez, hop. Le petit plus à ce niveau-là. Voilà. La Légion Minervia est maintenant totalement protégée. Ah, au moins j'ai validé cette mission. Maintenant, plus que prendre 2 de colonies. Alors, contre qui allons-nous battre? Il y a lui ici, je sais pas trop ce qu'il fait, mais on dirait que c'est un petit con. Voilà. Peut-être recruter. Non, et une flotte. Attends, non. Hop, hop, hop. Ouais, ouais, ouais. Ah, lui, pas mal. Dynastie de Lépide. Ah, je prends le dynastie de Lépide. Lever une flotte. Recruter, voilà. Et maintenant, on va. Des unités pour leur donner une bonne leçon parce que voilà, c'est des birèmes. Ah, oh, c'est nul les birèmes. Trirem, c'est plus intéressant. Et en recrutant là, ouais, rien vraiment, pas grand chose à recruter à ce niveau là. Eux ils sont 60, et eux 60 aussi, pas terrible. De toute façon, il faudra des plusieurs tours après. Bon, rien qu'avec cette flotte, la classe 6-3, on pourra casser la tronche à ces nabatéens. Putain, je suis riche comme Crésus, c'est juste pas possible. C'est vraiment pas possible tout ça. Bon, ça va me donner du malheur. Je voudrais bien m'attaquer d'abord à eux. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que de cette manière, en m'attaquant à eux,
Je fais directement un front commun avec la Dacie à travers par là, comme ça le front sera un peu plus clean lorsque contre une éventuelle guerre contre eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors toi, tant que je suis riche, on va t'améliorer. Hein. Parce que voilà, nous on est gentils. La Légion. Tu vas là-bas. Ça, tu pourras attaquer Bergium directement. Toi, je te laisse ici. Toi, tu comme ça sera prêt. Et toi, au cas où il faudra protéger Noréa, tu pourras y aller directement avec tes unités. Parfait, je valide. Je valide ce plan. Ici, on va peut-être le faire enfin. Un bâtiment pour un peu plus de bonheur. Là, ici, je peux pas faire grand-chose dans tous les cas. Farcellus, tout ce bazar, on va faire ça. 6 de nourriture, c'est pas comme si j'en manquais. Tac, 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 tac. Je suis riche comme Crésus. Toc, on va faire... non, non, pas ça, le bonheur. La fontaine, s'il te plaît. Et toi, tu fais ça, voilà. Ici... Strom d'entraînement, s'il te plaît. Bien. Maintenant, passons le tour. Eh ben finalement, j'ai l'impression qu'on va en finir dans cet épisode de cette campagne. Ce qui sera plutôt pas mal. Je m'étire un peu. C'est quoi cette histoire? Alors, agresseur, marque commence. Contre la Daciotras. Agresseur, défenseur. Ouais, d'accord. Ils ont déclaré la guerre à notre allié. Ou c'est eux. J'ai pas trop bien compris le délire. J'ai pas vraiment bien saisi comment ça s'était passé. C'est vrai que ce que j'ai vu, c'est une armée des Das qui attaquait les Marcomanses, non? Ça, c'est ce que j'ai vu, après. Je peux me tromper. Bon, on va voir ce que ça va te faire. Traité de paix. Leur demande. Non mais on va te faire voir aussi. Eh oh, on va te faire voir chez les Grecs. Bon, les Grecs, ils sont sous mon contrôle, donc viens pas chez moi, mais voilà, on va te faire voir quand même. Le gars, quoi, il est complètement taré. Hein. Eh bah dis donc, ça fait une armée là-bas. Seconde. Ah ouais, d'accord, la confédération d'Asiotras n'existe plus car les mecs sont entrés dans la confédération, enfin les Marcomans sont n'existent plus parce que la confédération germanique s'est dit allez hop, si on y allait là-bas, ça serait drôle. D'accord. Non mais oui mais non. Pas du tout en fait. J'aime pas. J'aime pas ce plan. Donc tu vois, on va rejoindre nos chers amis afin de leur casser la gueule genre mais très très méchamment. Et j'espère que ça leur fera les pieds. De toute façon, ils m'aiment pas alors. Êtes-vous courageuse ou stupide ou simplement fou? Déclarer la guerre. J'écoute. Voilà. Alors non, c'est l'arme à la Légion ici. Allez, on va prendre ça là. Personne, donc on y va. Hein. La Coria. Allons-y. Voilà. Ça, c'est fait. Niveau 2. Il était si nul que ça, c'est con. Moi, je suis déçu là. Oh. Armure niveau 3, putain. Ah, ça gère ça. Bon, ça c'est fait. Et nous, on va prendre Bergium. Et normalement, c'est la fin de la campagne. Oh, y'a personne! Y'a personne là! Non, mais franchement.
veux dire, j'ai pas montré de bataille encore cette vidéo. Moi, 18 000. Du commerce, du fric, s'il vous plaît, du fric, il me faut du fric. Je préfère passer mon temps à festoyer et à chasser. Merci, ton fric il sera très bien rémunéré. Ton fric, donne-moi ton fric. Parfait. Pourquoi soudainement ils acceptent tous? Je vais avoir une explication rationnelle à cet événement. Y'en a pas? Ah, dommage. Russie, il y aura quoi? Noria, il y a 4 unités de machin. Et ici, 2 unités de lanceurs d'armure, 2 lanciers lourds. Yolo, swag, cool. On va se mettre ici pour défendre au cas où ça. Parce que normalement, là, la mission est terminée. Oh yeah. Si ça, c'est pas cool. Franchement, je vois pas ce qu'il vous faut. Alors ça, on vire et on recrute. C'est au prochain tour, c'est ça? Dans un tour. Bah, c'est pas grave. Oui, j'ai quand même encore 243 unités. Vive la flotte. La flotte m'a fait recruter des troupes aussi, d'ailleurs. Des chiens, des toutous, on s'en fout. Le reste. La vie militaire, c'est la belle vie. Voilà. La Legio 13 Rapax est maintenant également opérationnelle à 100%. Au prochain tour. Putain, ça m'en fera des légions. Ça fait déjà tout de suite beaucoup plus joli la frontière à ce niveau-là en ayant pris Bergium et Coria. Ça fait bien plus classe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Maintenant, faudra être sûr de garder ça sous le contrôle. Et maintenant... Vous pouvez... Ah oui, un édit supplémentaire. Oui, un édit. On va le mettre ici, l'édit. Du pain et des jeux. Ils en ont besoin, les bougres. Ouais, quand l'infanterie, faut le détruire. Bah, pour le moment, on va le garder. Bon, normalement, ça devrait être bon. Je sais pas qui ils vont attaquer, les frisons, s'ils vont finalement attaquer Noria. Si je pouvais, ce serait génial si je pouvais arriver directement sur la map. A voir. Alors, la Confédération Germanique, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah bah, ils nous disent que finalement on n'attaque pas et que donc la campagne est terminée. Ah, terminée dans les temps. C'est génial ça. Pourquoi ça lag autant? Avez-moi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Yeah. What? C'est nul. C'est... Pourquoi le fric il a soudainement baissé là? C'est pas normal ça. Un accord commercial a été dissous. Ok, c'est pour ça. D'accord. Mais oui, mais non. Ça, c'est bizarre, ça. Non, mais je suis déçu, là, par la petite vidéo. Ouais, youpou. L'épide, il est là, et il lève les bras, et... Petite vue sur Rome, mais vraiment petite, de 3 secondes, et c'est tout. D'accord. Déçu. Revenu Toto, ça, je m'en fous. Alors, total des forces établies, 12. Force actuelle, 16. Maximum de force simultanée, 16. Total des armées établies, 10. Armée actuelle, 13. Maximum d'armées simultanées, 13. J'avais pas compris la différence là. Flotte actuelle, 3. Ouais, total d'unités recrutées, 237. Unités terrestres recrutées, 230.
Unité navale recrutée 7. Unité détruite 1144. Total d'unités perdues 77. Autant. Oh, ça fait beaucoup ça. Total de bataille livrée 126. Tais-toi, chrono, s'il te plaît. Mais. Ah, c'est bon. Total bataille livrée personnellement 34. Résolution automatique 92. Bataille terrestre 21. Bataille navale 2. M'aide pas à la défaite. Ah, défaite terrestre. Total des défaites 8. Ah ouais, c'est que des batailles de siège. Ouais, on dirait que c'est ça. Captif de bataille relâché. Mais normalement, je les exécute tous. Comment il peut y en avoir autant de relâchés si je les exécute tous? Ça, c'est bizarre. Sauf si soudainement on me dit que j'appuie sur le mauvais bouton. Ce sera assez perturbant. Bon bah c'est fini. Là je fais voilà seulement pour le fun. Hein. Miné 1. Détenir 80 colonies, oui c'est bon. Lui il est niveau 10. Je suis niveau 10. Pa-da-pa-da-pa. Je suis niveau 10. Ça c'est pas mal unité. Bon, ben, c'est un peu la merde à ce niveau-là pour l'économie, mais... Cette campagne se finit ainsi. Notre empire, la Rome de Lépide, est maintenant la seule Rome du jeu. Tandis que Octave et Pompée, on s'en est occupé personnellement. Et que l'autre pignouf, là, Marc-Antoine, lui, il a résisté un peu plus longtemps que les autres avec sa flotte. Mais après, il a fini par crever. Bon, bah c'est pas mal ça. Regardez, c'est un bel empire romain tout ça là. Vive les Daciotras, hein. Ils nous ont bien aidés les bougres. Hein. Et le fait de ne pas avoir été en guerre contre les Parthes aussi était pas mal. Eh bah ce fut très appréciable. Ah, campagne très sympathique, franchement. J'ai bien aimé. Avec mes légions qui sont maintenant un peu partout. Là de toute façon, ici j'allais prendre sans doute cette colonie, quoique non. Quoique non, étant donné que sinon, si j'allais par là, eux, ils pourraient aller ici. Ce qui ferait que ça se ferait un énorme trou. Donc, il aurait fallu que j'attaque par ici. Qu'avec cette légion, j'attaque ces deux armées pour essayer de faire un truc, un passage. Ouais, de toute façon, avec 4 légions, ici, j'aurais eu de quoi faire. Ici, avec 3 légions dans cet endroit, une ici qui ne sert un peu à rien, je dois l'admettre. Je serais sans doute remonté vers le nord afin d'aller aider nos alliés. Dans cette guerre qui allait juste être monstrueuse. Regardez-moi l'empire la Confédération germanique. Ici, une légion, bon, bah, elle, c'était un peu comme ça. Voilà, YOLO, ça veut dire je suis là. Toi, je t'aurais sans doute mis ici pour recruter une autre légion pour s'occuper potentiellement de débarquement, même si je pense qu'après je t'aurais envoyé vers le nord. A voir. Et à ce niveau-là, cette légion, elle était là pour faire un peu de la maintenance d'ordre. Tôt ou tard, j'aurais sans doute soit attaqué lui s'il s'était mis à me trahir, soit je serais monté peut-être par là, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait dans ce coin-là. Là, j'allais surtout m'attarder... contre la Confédération germanique. En tout cas, ce fut un réel plaisir d'avoir fait cette campagne sur ce mode. Très sympa. Bon, ma grande déception, ce fut avec Alexandrie, où il n'y avait pas le grand phare d'Alexandrie, ce qui fut inadmissible, choquant et intolérable. Bon, je m'en occuperai un autre jour. Et sinon, franchement, très sympa. Et j'aime bien que ça soit seulement 80 territoires. Hein. Ça fait un peu campagne courte par rapport aux 140 qu'il y a à prendre dans la campagne longue en normal, où c'est juste chiant, long et atroce. Franchement, là, c'était très sympa. Bon, allez, je vous dis à la prochaine, les gens, et portez-vous bien dans cette campagne qui est maintenant terminée. Je vais en commencer une nouvelle, je ne sais pas sur quoi, donc c'est pas à peine de poser la question. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous verrez ça la semaine d'après, lundi prochain. Dans les cas, là, je tourne, vous avez même pas encore vu les deux épisodes, j'ai 2 semaines d'avance. Ça me permet de réfléchir un peu. Donc voilà, hein, vous avez lundi prochain, après cette vidéo, donc. Vous saurez sur quelle série je vais faire. Je vais travailler, quel Total War. Est-ce que je reste sur Rome 2? Est-ce que je vais sur un autre?
En suspens, je ne sais pas encore moi-même, j'ai des idées. Maintenant, il faut que je choisisse parmi mes idées. Allez, salut les gens, et à la prochaine, de manière définitive. A plus.